Salut à tous, c'est PFR Games FR sur PES 2016. On se retrouve pour la seconde saison avec les stacks de 3, peut-être, car j'ai reçu une offre du FC Nantes. Le contrat est planifié, donc normalement je devrais signer au FC Nantes, qui est un club un peu plus huppé que les stacks de 3. Mais pour l'heure, nous allons commencer un match avec les stacks de 3. Ah, je dis peut-être des bêtises. Peut-être qu'on va pas jouer avec les stacks de 3, mais on va directement signer au FC. Ah non, d'accord. C'est après, au prochain match. Voilà. Premier match avec les stacks de 3. Il faudrait marquer nos derniers buts avec les stacks de 3 et qui nous a formés, bien entendu. Et pour les remercier de cette saison. Allez, le premier match de la saison. Oh, côté. Dommage. J'aurais pu marquer dans les premières minutes. Le FC Metz, qui est une équipe qui a obtenu sa promotion en Ligue 1. Et la touche pour la stack de 3. On démarre bien dans ce début de match. Ouh, sa tête aurait pu être dangereuse. C'était une tête de centre. Enfin, je sais pas comment dire ça. Deux équipes qui sont d'un niveau similaire. Bel arrêt du gardien. Ah. À côté du cadre, dommage. Belle sortie du gardien. Et la touche. Dommage le centre, c'est un peu loupé. Thank you.
Allez, 0-0 à la mi-temps. J'ai eu deux grosses occasions, deux frappes enroulées, mais tous les deux à côté du cadre. Oh non! Le tacle était magnifique encore une fois. La touche qui est sifflée. Allez, objectif de la saison, marquer plus de 10 buts. C'est notre record la saison précédente. Et voilà le premier. Le premier but de la saison. Avec la petite danse que vous connaissez maintenant. Magnifique. Là, il arrive à contrôler Torres. Et là, il s'engouffre au milieu de quatre défenseurs. Nivet qui sort remplacé par Camus. Je suis au pressing, ça c'est bon ça. Alors en signant FC Nantes, sûrement qu'au début je ne jouerai pas titulaire. Hein. Oh magnifique, oh magnifique, le doublé de Torres pour son départ. Oh là là. Le contrôle et la frappe tranquillement. Aucune difficulté. Et la belle passe de Cour. Hop, le contrôle facile et la frappe derrière. Et voilà, la victoire de la Stack de 3 dans cette ouverture de Ligue 1 avec un doublé de Torres. Voilà, j'ai fait les 4 tirs, Torres homme du match. Trois qui est troisième après la première journée. Ça, c'est pas mal, ça. Et voilà. FCN. Ah, mais c'est en Ligue 2. D'accord. Oh putain, je savais pas. Convoqué en sélection nationale. Hum.
Super, je représente mon pays. Je suis en Ligue 2. Allez, le but remonté avec FC Nantes vous souhaite la bienvenue. Je suis votre secrétaire. C'est un plaisir de travailler avec vous. Le personnel du club vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin. Félicitations, vous êtes sélectionné pour représenter votre pays. Et ouais, c'est en Ligue 2. Bon, ben, le but, finir dans les premiers. Hein. Voilà, on avance jusqu'au stade Malherbe de Caen. Et je suis titulaire. Ben ouais, en Ligue 2, forcément. Allez, le but de marquer le plus de buts possible. Et pourquoi pas être retransféré parce que... Ah purée, j'ai pas fait gaffe ça. Je crois que c'est qu'ils étaient en Ligue 1 Nantes. Là, je descends d'un palier en fait. Bon, ben, le but, si on peut être transféré à la mi-saison. Hein. Au Stade Malherbe. Là, ça doit être plus facile. Wouah! Oh la passe qui était somptueuse! Ah mais ils sont descendus! Et oui, ils sont descendus! Et j'ai le numéro 18 cette fois. Et les deux clubs là sont descendus. Je n'avais pas réalisé. Allez, monte dessus. Bien. Ah, t'as joué quand, non? Allez, Ryu, bien joué. Et 0-0 à la mi-temps. Une frappe. La frappe qui est cadrée, mais arrêtée par le gardien. Celle-là, elle passe vraiment pas loin. Ouais. Un petit mètre.
Allez, 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 allez. Il y avait un peu faute là, non? Ah, oula. Voilà, c'est la fin du match. Je suis sorti du terrain. Allez, les gars. Essayez d'aller gagner. Wow, j'ai aussi fait la faute. Et voilà. C'est la fin de ce match au score de 0 à 0, le premier match avec le FC Nantes. Et j'ai une note de 6 avec ce premier match. Faut qu'on soit dans les deux premiers pour monter. Meilleur joueur d'Europe de l'UEFA. Messi, Ronaldo. Messi encore. Deuxième année consécutive. Ah, et c'est vrai qu'on est en équipe de France en plus. Et je suis titulaire pour le troisième match de cette vidéo face à Tours. Allez, Tours. Le Tours FC, le club qui a révélé Olivier Giroud à la Ligue 2. Puis après, c'est Montpellier qui l'a révélé à la Ligue 1 avec leur titre de champion de France devant Paris. Il faut le souligner. Allez, peut-être les premiers buts de Torres dans cette Ligue 2. La frappe tentée par Torres, repoussée par le gardien. Il s'est bien battu Torres après avoir voulu centrer. Et là, il tente la frappe. Là, il m'a complètement donné un mauvais ballon, quoi.
Ouh. Oh, y a rien du tout. C'est une petite faute. Une faute d'attaquant. Ouh, oui. Je touche pas du tout le ballon. Et c'est la deuxième frappe et la bonne. Le premier but de Torres sous ses nouvelles couleurs avec le FC Nantes. Le nouvel appelé en équipe de France d'ailleurs. Il s'est bien battu là. La première frappe directement sur le gardien arrêté du pied. Et la deuxième, il marque dans le but qui avait été... Le gardien était encore à terre. Allez, 1-0 pour le FC Nantes. Le hors-jeu qui est signalé. Limite. Mais il était bien. Et 1-0 face pour le FC Nantes face à Tours avec le premier but de Torres sous ses nouvelles couleurs. Hors jeu. Et le magnifique centre de Torres qui fait là le match idéal. Rochy qui marque. Le centre de Torres est juste somptueux. Au bon endroit. Et le joueur qui crucifie le gardien de près. De la tête. Le ballon qui est récupéré dans les pieds du défenseur. Torres. Torres! Le doublé de Torres. C'est magnifique, du pied droit. Le pressing de Torres qui est gagnant dans les pieds du défenseur. Et là, il y va tout seul. Dans le trou de souris. On pensait qu'il allait rentrer sur son pied gauche. Et non, il a frappé du droit. Et Cissé qui là aurait dû agir plus vite. Magnifique. Et 3-0 pour le FC Nantes dans cette rencontre.
Et Torres qui est dans tous les bons coups, qui signe deux buts et une passe décisive dans ce match. Et Tour qui garde le ballon. Ouh, une petite faute. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est une faute. Oui. L'obstruction. Ouh, il a tenté le triplé. Ça passe pas loin. Enfin, ça passe devant les cages. Et le ballon qui sort. Le ballon en touche pour Tour. Une nouvelle fois. Et voilà, la victoire du FC Tour, du FC Nantes, pardon. 3-0 face au FC Tour. Torres a été fantastique dans ce match. À 8 et demi de note. Homme du match, évidemment, deux buts, une passe décisive. On est quatrième à deux points des premiers. Dernier jour de la période de transfert. Le prochain match à Torres dans l'équipe du mois. Avec Roshi. Et le match amical face à l'Argentine pour l'équipe de France. Et je suis titulaire. Wow! Quand même. 84 de. Comment on appelle ça? De confiance manager avec. Que je sais pas si c'est Deschamps, mais avec l'entraîneur de l'équipe de. Allez, donc on est parti pour ce premier match avec l'équipe de France. On est titulaire. C'est assez fou. Et ce sera. C'est le quatrième match. Je vais vous laisser les hymnes. Enfin, je crois qu'ils y sont. Avec l'équipe. On a le numéro 11. On joue une grosse équipe là. Agüero,
Lui, je sais pas qui c'est. Mascherano. Je suis sûr, je le connais, mais je le reconnais pas là. Zabaleta, le 5. Le 16, il me dit quelque chose. La casette. Koscielny. Torres. Ça c'est... mince. Comment il s'appelle? Voilà, il y a Pogba, Sissoko, Digne, Debuchy, Varane, Ruffier qui joue et Ribéry. Premier match d'équipe de France à 18 ans. Voilà, Mascherano, Biglia, Nico Gaetan. On avait Kondogbia, voilà. J'avais oublié son nom. Ah, je joue à droite. Ça, c'est bon, ça. Ah, Sivelli. Ah, il a pris Sivelli. Caray. Enzo Perez, Perotti. Ouais, j'en connais... j'en connais la plupart. Ça, c'est bien que je joue à droite. Le premier arrêt de Ruffier. Wow, la frappe de la casette et l'arrêt. Le corner maintenant. Oh, on a une belle équipe de France. Et un nouveau corner, il me semble. Elle est contrée. Sissoko qui est là. Ah, hors jeu. Ah, j'aurais dû le lober plutôt que faire un tir enroulé. Oh là 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 là. La casette qui a failli marquer. Ça c'est bien parce que je suis ailier droit. Et du coup, quand je rentre sur mon pied gauche, qui me font des appels comme ça. Il a failli la contrer de la main.
et 0-0 entre la France et l'Argentine à la fin de la première mi-temps. Bon, à mon avis, je vais être remplacé en seconde mi-temps. J'ai failli tomber. Derrière moi, il y a une table et j'ai reculé. Allez, récupérez-moi ça. Il doit me la donner au lieu de tenter sa chance. Bon, je retourne sur mon aile. Ah, le ballon qui est sorti et Torres qui sort remplacé par Anthony Martial. Allez, allez. Ah, dommage. Je sens que ça va faire un 0-0 aussi. Bientôt sifflé et le but de Lacazette en fin de match et la victoire qui se profile. Et voilà, 1-0 pour l'équipe de France. La victoire en toute fin de match. L'équipe qui a dominé 5 et demi. Ouais, petite note, mais bon, c'est le premier match, j'ai 18 ans. Allez, c'était un bon match de ma part, on va dire. 5,5 pour un premier match. France-Belgique, wow! Que des gros matchs. Et je suis titulaire encore. France-Belgique qui sera le dernier match de cette vidéo. On reste sur un format de 5 matchs avec Eden Hazard face à nous. Alors, va-t-on encore être ailier droit? Ribéry titulaire, Lloris, Varane, on a vu derrière.
Lukaku, on dirait qu'ils ont. Alors qu'il va y avoir les immunes. Alors, Benzema, Koscielny, Torres, Pogba, Kondogbia, Sissoko, Digne, Sagna à droite cette fois, Varane, Lloris et Ribéry. Et voilà, je suis sur l'aile droite. Ah, mauvaise passe de ma part. Ouh, Sissoko qui marque! Et le premier but de ce match! Le but de Moussa Sissoko. Et 1-0 pour l'équipe de France. La percée de Sissoko qui a été bonne. Voilà, le 1-2 là. Il accélère. Ribéry lui remet. Et là, il est face au but tout seul. Vingt minutes de jeu, 1-0. Ah, dommage. La touche encore une fois pour la Belgique. Et Digne qui a bien défendu. Là, c'est plus difficile comme c'est à moi d'y être ouais, j'étais revenu dans l'axe. Allez, Sagna. Et 1-0 entre la France et la Belgique à la fin de la première mi-temps. Les Français qui dominent ce match. J'ai tenté d'y aller seul là. Ah, j'aurais pu contrôler.
sors. J'ai fait qu'une frappe de la tête, enfin une frappe. Une tête molle. Allez. Ouh. Ribéry. C'était bien joué. Et voilà, la fin de ce match sur le score de 1-0 et la victoire de l'équipe de France. Merci de nous avoir suivis. C'était BFR Games FR sur PES 2016. Bye tout le monde.